château, c'est Caramella. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un petit haul nose, roue numéro 2. C'est le nose de Saint-Parot-Tertre dans l'Aube, près de Leclerc. Près de Troyes. Pas grand chose. C'est pour ça que je vais cumuler avec des petits vêtements que j'ai achetés dans d'autres petits magasins. Ça vaut le coup de vous montrer. Je vous ferai un petit try on pour vous montrer ce que ça donne. D'accord? C'est parti. Alors donc, dans ce nose de Saint-Parot-Tertre, comme je vous disais, pas grand chose. Je courais là-bas pour les fameuses palettes Modern Owns que je n'ai pas trouvées à Barberet. Mon second nose. La vidéo a été faite juste avant. Et oui, il ne restait plus que les cartons vides. Donc là, je tournais. Et à la fin, je parle bien avec la responsable de ce nose. Et j'ai dit, bon, ben mince. Alors elle me dit, coucou, parce qu'on est jumelles, donc on se fait repérer. Ben, ça va bien, machin. Et puis je dis, ben oui, ben je dis, non, ça, je trouve pas, vous n'avez pas les palettes Models Owns. Elle me dit, si, ils sont en vitrine, mais tout est parti ce matin. Oh c'est sorti le mouchoir. Hein. Oh non, j'étais trop déçue. Trop déçue. J'adore cette marque de palette Models Own. Si vous les avez trouvées, franchement, je suis trop contente pour vous. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçue. Surtout qu'il y a un an, elles étaient déjà chez Nose, puisque moi j'en avais trouvé. Et elles étaient à 5 euros. Alors que là, elles sont à 2,99. Ça a encore baissé. Et ce sont des palettes qui valent dans les 22-24 euros sur Nocibé ou Mariono, je ne sais plus. Vous pouvez vérifier. Donc, ce sont de magnifiques palettes. Et je voulais les palettes que j'avais pas trouvées l'année dernière. Mais trop tard. Bon, j'ai quand même une petite consolation. C'est parti? Allez, j'ai fini de blablater. Je vous montre malgré tout mon make-up pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos auparavant. Vite fait. Pour les lèvres... Hop, pour les lèvres, j'ai un gloss L'Oréal, voilà, le 202 que j'avais eu sur Cosmétique, je ne l'ai pas payé plein pot. Ça vaut dans les 14 euros et je l'ai payé 3,90 sur le site Cosmétique. Voilà, il est magnifique. Regardez ça. J'en profite quand je fais les vidéos vu qu'avec ce saleté de masque, on ne peut rien faire. En poudre. Toujours ma petite poudre Wapa de Nose à 2,49. Hop, elle se creuse. Pour le blush, toujours de chez Wapa à 1,49. Le petit blush comme ceci, irisé. C'est un petit pêche, hyper irisé. Très poudreux, mais je l'adore. Et voilà ce que ça donne. Bonne mine. Donc là, j'en ai mis pas mal hein, pour les vidéos, parce que sinon, ça ressort pas avec la lumière... de mon plafond là, mais voilà ce que ça donne. Je l'adore, je l'ai même en double. J'ai mis, parce qu'il n'y a pas assez d'highlight, un highlighter AliExpress, le 02 de la marque Tahaï. Voilà, c'est en bec gelé comme disent les Américains. J'adore, voilà ce que ça donne. Ensuite, pour les yeux, j'ai utilisé une palette Mariono, mais que je n'ai pas payé plein pot. Je l'avais eu chez Nose, et ben en même temps que les Models Own de l'année dernière, à 5 euros. Toutes les palettes étaient à 5 euros à l'époque. Voilà. Alors, elle ne se ferme plus trop. Non, à force de l'ouvrir, la fermer, elle ne se ferme plus. Ça doit être caché, le petit clipet. Et je l'utilise... 7 jours sur 7 pratiquement, enfin toute l'année, été comme hiver. Ici vous pouvez faire plus dans l'hiver, ici plus dans l'été comme vous voyez, et là les couleurs de transition. Voilà, moi là aujourd'hui j'ai ces couleurs de transition, cet highlight en dessous du sourcil et ces trois fards sur la paupière mobile, et ça donne ça, les chatons. Hop, on voit assez le dégradé. J'adore cette palette, elle est trop belle. Et en cils et sourcils, on change pas une équipe qui gagne, la palette NUA, voilà la Dark que j'avais 1,99€
She knows. Ah oui, je vous ai pas montré, en base à paupières, c'est toujours un petit concealer Revolution Body. Alors, il est déglingué, mais c'est pas grave, et ça fait hyper bien tenir les fards. Je crois que je l'avais à 99 centimes. C'est Céline qui me l'avait mis dans un swap, quand on fait nos petits échanges make-up. Céline, je te fais un gros bisou. En mascara, le topper Poudailleur de chez AliExpress à 1,89€. Que pas trop mal, qui pue. Et en sourcils et en cils, le mascara Kiko. Oubla, je suis floue. Voilà, un mascara violet de chez Kiko. J'avais eu à 5€ pendant les soldes il y a pouf, au moins 2 ans. Un violet foncé. Je l'adore, mais là, il faut que l'utilise parce qu'il commence à sécher. Voilà mes chatons. Et en spray fixant, c'est un petit spray à 1,09€ de chez P2 que j'ai eu chez Nose. Il est très bien. Mon make-up ne bouge pas trop, ça fait un petit peu sous le masque. Alors, les 4 yeux, mes chatons. Donc là, je vais vous montrer un petit coup avant les produits Nose. Mes petits achats super, enfin pas superflus parce que j'en avais besoin, que j'ai eu chez CEA et Gémeaux. Chez Gémeaux, alors on peut pas essayer, hein. Donc j'ai ramené les 3/4 de ce que j'avais acheté. J'ai gardé des t-shirts. Gémeaux, franchement, ils disent que c'est du XXL ce que j'ai acheté. Pour moi, c'est du grand L, pas plus. C'est pas taillé grande taille comme CEA spécial ronde, hein, le rayon spécial ronde, il n'y a pas. C'est très très petit, ça couvre pas le ventre, vous allez voir. Donc j'ai acheté à 4,99€ chez Gémeaux 2 t-shirts. Col V, ça change un peu des cols rondes Décathlon. Voilà, 4,99€. J'ai pris du XXL et vous allez voir, c'est pas trop grand. Voilà, tout simple. Un petit col V, il est tout léger, couleur citrouille comme ça, je voulais dire ça vaut que ça, mais ça change un petit peu un col V, j'aime bien. Ensuite, la même chose mais en rose pâle, voilà, en XXL toujours, je vais vous les passer hein, en try on à la fin de la vidéo. Voilà, donc ils m'ont remboursé ce que j'avais acheté. Les petits, j'avais acheté des belles petites tuniques splendides à 9,90€. J'en avais pris 4. Magnifique. Oh là 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 là, super de la qualité, mais alors pas du tout du XXL quoi. Je pouvais pas. XXL, je pouvais pas bouger les épaules. Alors que chez Shein, je prends du XL ou du 1XL. Non, il vaut mieux aller chez Shein. Au moins, c'est. Voilà. Un petit t-shirt tout simple, rose pâle. Chez Gémeaux donc. Par contre, pour les femmes pas rondes comme moi, il n'y a pas de souci. Il y a des articles super qualité chez Gémeaux et trop beau. Pour 10€, vous avez des belles choses. Là, on va chez CEA. Là, c'est du vrai grande taille. Ouf! Parce que vous allez voir, là, j'ai pris du XL. Voilà. Du XL à 9,99€. Voilà. Je n'ai pas de petit haut pas trop chaud. C'est du manche 3/4. C'est pas serré. C'est assez long. 10€. Alors j'ai pris les. Il y avait du noir, il y avait du bleu marine, il y avait tout ça. Mais moi, j'aime bien les couleurs. Hein, donc j'ai pris moutarde. Je vais vous montrer ça en try-on. Voilà. C'est assez long. C'est fluide. Pas trop chaud. Et j'ai pris la même chose en rouille. C'est du XL à 9,99€. Voilà. Donc ça, c'est CEA. Et c'est de la super qualité. Voilà. Et là, c'est rouille. C'est le même. Manche 3/4. Hop. Assez long. J'adore. Du coton. Ça se lave comme d'un mouchoir. Et on est super bien là-dedans. Voilà, allez, on va chez Nose. Donc je vous dis, c'est une petite vidéo mélangée parce que j'ai pas grand chose. Chez Nose, devinez, du chocolat, j'en ai pris 2, on en a entamé un hier soir, à 2,99€. Voilà, donc le Nose de Saint-Paroux-Tertre.
à 2,99. J'ai pris, il y a combien de grammes? Il y a 200 grammes de petites boules Lindt, les mélange comme ceci. Alors, il y a les petites boules blanches, mon mari adore ça, le chocolat blanc, les chocolats noirs et les au lait. Moi, c'est les au lait mes préférés. Oh, elles sont trop bonnes. Et on a entamé le premier paquet, on en a pris deux. Ça va jusqu'à fin novembre. Donc, il n'y en aura plus d'ici là. Voilà, ça vaut le coup. 2,99 les 200 grammes. D'habitude, c'est plus cher en rayon. Et enfin, du maquillage. Vous allez voir, donc à Barberey, j'avais pas trouvé les petites palettes. Là, j'en ai pris... j'ai pris tout ce qu'il y avait, sauf une. Et vous allez voir, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais vous montrer celle de l'année dernière, que je n'ai pas prise. De toute façon, il n'y en avait plus. Que je n'aurais pas prise, mais qui est en vente actuellement dans nos noses. C'était la Super Natural. Voilà. Je l'avais eue l'année dernière à 5 euros. C'était pour vous montrer comment elle est. Mais moi, elle n'était plus, dans mes noses. Donc, vous pouvez tomber sur celle-ci. Et vous allez voir, depuis un an, normalement, il y a un petit pinceau. Je l'use et j'en abuse. Je l'adore. Alors, ce que j'aime dans cette palette, c'est que pour l'automne, c'est des couleurs froides. Il y a un vert sapin, là. Mais alors, je ne vous dis que ça. Je vais vous faire quelques dorés, un doré froid, là. Franchement, si vous aimez les dorés froids, nickel. Des bordeaux chocolat. J'étais maquillée avec hier. Et en mat, je vais vous faire... c'est des mats froids. Regardez-moi cette pigmentation et j'y vais pas comme une brute. Hein. Je vais vous montrer. Donc celle-ci, c'est la Super Natural. Regardez. Hop. Voilà. Les fards sont crémeux, un petit peu poudreux pour certains, ça dépend des fards, mais d'une pigmentation. Voilà mes chatons. Ça, c'est la Super Natural. Donc, elle n'y était plus, mais elle peut y être dans vos noses. Et je vous la conseille, franchement. Elle fait des super make-up pour l'automne. Regardez. En un passage. Magnifique. Donc, celle-là, je ne l'ai pas achetée là. Elle est de l'année dernière, comme je disais. Mais je vous la conseille pleinement. Elle fait de bons maquillages automnaux. Là, je vais vous montrer les deux celles sur lesquelles je suis tombée. Et il y en a une que je n'ai pas prise, je ne la trouvais pas terrible. Elle était dans les tons... déjà, les fards étaient tout petits. Je fais du bruit, excusez-moi. Les fards étaient tout petits carrés. Et c'était du gris mat, un bleu foncé irisé et des gris irisés. Ce n'était pas trop mes couleurs, donc je ne l'ai pas prise. J'ai trouvé à 2,99€. Une pour le teint, c'est la Sculpt and Glow. Oh là, regardez, il y a le prix, 18,99€ en magasin. Et nous, 2,99€. Eh ben dis donc, franchement, là, il n'y a pas photo, ça vaut le coup. Et moi, en ce moment, les produits pour le teint, j'en ai partout. J'ai mon plastique qui est parti. Elle est trop belle. Alors, il y en avait une autre, mais c'était que des highlights et il y avait un highlight crème et je ne l'ai pas prise. Voilà, j'ai pris que celle-ci, je ne vais pas prendre pour prendre. Elle est trop belle. Il y a donc un bronzer que je me servirai en fard à paupières. Moi, je ne mets pas de bronzer. Un highlight dans les tons dorés et un blush irisé splendide. Je vais vous faire des swatchs. Oh, c'est d'une texture. Mais ça... J'espère que vous êtes... Il y en a, vous êtes nombreuses à être tombées dessus. J'ai pas pris, donc je vous dis la deuxième. Regardez ça. Hop. 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 Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Trop jolie. Je suis trop contente d'être tombée dessus. Le blush a craqué. J'adore ce genre de blush. Non, vous ne croyez pas? Trop belle, trop belle, trop belle. Et j'ai trouvé celle-ci. Alors, il y en avait une autre, comme je vous dis, mais je ne l'ai pas prise. J'aurais bien voulu trouver... là, il y en avait une comme celle-ci, les mêmes fards. Même grand...
n'importe quoi. Comme celle-ci, les mêmes fins, mais c'était dans les tons bleu glacier, gris glacier, magnifique. Je l'aurais prise, mais elle n'y était plus. Et il y avait la Blaze aussi, B-L-A-Z-E, que j'aurais bien pris, mais elle n'y était plus non plus. On m'a dit qu'il fallait venir ce matin. Elles ont raison. J'étais sur leur page Facebook, mais pas la bonne. Quelle gourdasse. Donc, à 2,99€, tant pis pour moi, j'ai pris la Vintage Rose. On la voit partout, celle-ci, sur les sites, sur YouTube. Hop. Et je vous dis, l'année dernière, elles étaient à 5€. Donc là, j'ai bien le petit pinceau, qui normalement était également dans mon ancienne, là. Voilà, trop mimi. Je vais le garder. Et regardez. Voilà. Pareil, là, pour moi, c'est de l'automne. Hein. Et vous avez du froid, du chaud. Et après, que des couleurs froides pour l'automne. Splendide. Je vais vous faire, tiens, le beau violet, là. Magnifique. Un gris foncé, presque noir. Et je vais vous faire un mat, le mat. Lequel? Il est un peu fade celui-là. Tant pis, je vous fais. Oh là, elles sont toujours aussi belles. Regardez ça. Magnifique. Alors ce sont pour des smokies, c'est magnifique. Hein. Voilà. Allez, magnifique. Super. Donc ça c'est plus un, c'est pas un vert, hein. Un gris foncé, gris foncé avec des paillettes, un violet très foncé, vous voyez, il y a même un peu de vert dans celui-ci. Voilà, je vous ai fait celui-ci, celui-ci et celui-ci. Je vais vous faire le violet là. Voilà, texture, je vous dis que ça, magnifique, regardez, voilà. Voilà, c'est les deux palettes, les deux seules palettes que j'ai trouvées dans le Nose de Saint-Par. J'y suis pas allée le matin, pourtant, c'est rare, moi j'y vais pas le matin. Je vais chez Nose plus en milieu d'après-midi, là où il y a le plus de monde. Et oui. Mais franchement, je suis heureuse quand même de mes deux petites trouvailles. Et je vous dis, si vous trouvez la Super Naturale, ouf, j'arrive pas à l'ouvrir. Regardez-moi ça. Elle est encore plus belle, celle-ci. Et vous voyez, ça se creuse, ça se creuse. Là, je m'en sers. Et les mats taupes, comme ça, froid, en ce moment-là, par la saison d'automne, hiver, c'est génial. Et elles sont vraiment toutes différentes. Je vous dis, la bleu glacier, la blaise. Il y en a une que j'ai pas pris, donc c'était, les fards étaient moitié de ceux-là, des petits carrés, j'aimais pas. Et celle avec le teint, avec le highlight crème doré. Voilà mes chatons, mes petites trouvailles, mais c'est déjà pas mal. Je dis pas que si je retombe sur un nid, je n'en prendrai pas d'autres. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait qu'ils en remettent. Mais vous voyez, là, ça fait deux saisons d'automne où on les retrouve. Donc, il va falloir que je patiente un an. Et là, je regarderai bien, je ferai bien attention. Pourtant, les youtubeuses, hein, je les voyais. Je dis, tiens, moi, ça va pas tarder. Oh, avec un peu de chance, je vais tomber dessus. Bah, c'est bien fait pour toi, t'avais qu'à y aller le matin. Non. Allez, mes chatons, bravo à toutes celles qui ont eu la chance de tomber dessus. Je suis sûre que vous n'êtes pas déçues. Je vous attends en commentaire sur ces belles palettes. Un petit aparté, vous voyez, sur mes petits vêtements. Mais non, allez, je vous mets une suite. Le try-on de mes petits vêtements CEA et Gémeaux. A tout de suite, et je vous fais une petite pause pour vous dire au revoir. A tout de suite avec les petits vêtements en essayage. Voici déjà le legging noir, vous savez, grande taille, j'ai vu la télé, excusez-moi, de chez Nose, le legging grande taille, de taille, c'est vrai que ça sert quand même, ça maintient bien le ventre, ça sert pas, voilà, et avec le petit t-shirt,
Voilà le petit t-shirt Gémeaux. Vous voyez, c'est du XXL. C'est qu'ils ont mis ça. Du XXL. Donc je l'ai gardé parce que là, ça ne me sert pas. Mais voilà. J'aurais pu m'habiller là-bas. C'est trop... C'est pas du vrai XXL, donc voilà mes chatons. Donc je ne mettrai pas bien sûr avec le legging. Là, c'était pour vous montrer les leggings grande taille XL de chez Nose à 5,49. Voilà mes chatons. J'adore. Alors bien sûr, ils sont chauds. Alors mes chatons, la même chose avec le petit XXL Gémeaux, le petit t-shirt mais rose, vous voyez. C'est décolleté, mais pas trop. Comme ceci. Voilà, c'est tout simple. À 4,99€. Ça vaut que ça. Ça ne sert pas trop, donc c'est bon. Nickel. Voilà du XL. Ça, c'est du CA. Voilà, alors je ne mettrai pas avec le legging non plus, hein, c'est avec un pantalon noir. Mais c'est hyper confortable à 9,99€. Bon, ma mère elle est grosse, hein, le ventre est large. Mais c'est large. C'est largement suffisant. Manche 3 quarts comme j'aime. Petit décolleté, pas trop. Donc ça, je vais le couper. Voilà. Là, c'est du XL. La matière hyper douce. Ça avec un petit pantalon noir élastiqué, j'adore. Et je vous montre le deuxième. Et mes chatons, dernier article, petit article CEA, le même en brique. J'adore cette couleur. Plus c'est foncé, moins ça marque hein, quand même. Bah, on voit le ventre, mais ça marque moins les bourrelets. Voilà, là c'est du XL à 9,99€. J'adore la matière, donc je vous dis, il existait en noir, en bleu marine, à rayures, noir et blanc. Mais non, j'ai pris moutarde et, et brique. Tout ce que j'aime des couleurs. Et trop joli. Nickel pour cette saison. J'adore. Voilà mes chatons. Vous avez vu mes petits essayages. Ouh, j'ai chaud. Avec le petit legging que j'ai eu dans l'autre Nose à Barberey. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, moi j'aime bien, c'est de l'uni, comme ça on peut mettre des colliers, tout ça. Et puis de la couleur, il y en faut par ce temps. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si le cœur vous en dit. Et puis rejoignez ma communauté, si le cœur vous en dit également, en cliquant sur la petite cloche pour ne pas rater mes 3 vidéos par semaine. Voilà, allez mes chatons, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Et puis à très vite. Bisous.